Je recherche un truc à 100 minutes de la fac, assez grand, pas trop cher. La course au logement a débuté pour les étudiants. En première année de médecine, Agnès profite de ce forum organisé par l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines pour tenter de trouver son bonheur. Un studio aux alentours de 400 euros dans une résidence universitaire. J'ai pas vraiment eu la possibilité de faire des recherches super tôt vu que je devais travailler. Et mes parents, ils n'avaient pas non plus beaucoup de disponibilité, donc je me suis pris assez tard au final. Et j'avais pas non plus des explications super claires sur Internet, tout ça. Étudiant en médecine aussi, Jugurtha, de son côté, s'est fixé un budget de 500 euros maximum. Et les recherches semblent plutôt compliquées. Je pense que cette année, c'est un petit peu mal parti et je vais peut-être rester chez mes parents. Il y a la PL qui prend à peu près 250 euros, mais... Derrière, si un loyer fait 500 euros, il reste 250 à payer derrière. Ouais. Pour payer ces 250 euros restants, un petit job en complément lui semble la meilleure solution. J'ai déjà un petit peu tâté le terrain à Carrefour qui m'ont dit probablement peut-être que pour l'année ça le ferait. Mais là aussi, il faut voir selon l'emploi du temps de ma fac si c'est compatible. Donc on va voir. Ce forum logement est aussi l'occasion de rappeler quelques règles essentielles. Il faut être vigilant sur le loyer, savoir si les charges sont comprises ou ne sont pas comprises dans ce loyer. Et puis vraiment visiter le logement pour s'assurer que tout est conforme à ce qui avait été convenu par une annonce. Et établir un état des lieux précis parce que voilà, des fois on n'est pas vigilant à notre entrée dans les lieux, mais finalement à la sortie, du coup ça peut être après ponctionné sur le dépôt de garantie laissé par les étudiants, ce qui est vraiment dommage. Colocation, chambre chez l'habitant ou encore studio indépendant, les offres sont multiples et variées pour les étudiants. Pour s'y retrouver, Yvelines Information Jeunesse, basée à Versailles, propose de rencontrer les étudiants et de les aiguiller. Un des premiers conseils, se constituer un dossier solide. Il y a des pièces de base qu'un propriétaire peut demander, notamment une photocopie d'une pièce d'identité. Il peut également lui demander, si le jeune est étudiant, un certificat de scolarité. Il peut lui demander également, si le propriétaire va demander un garant, il demandera aussi des pièces par rapport à ce garant-là, notamment contrat de travail du garant avec deux, trois dernières fiches de paye pour voir à peu près les ressources et savoir si c'est envisageable ou pas en fonction du prix du loyer que demande le propriétaire. Ce centre d'information propose également un service de mise en relation entre étudiants et propriétaires. Parmi les locations, il y a le studio indépendant en résidence. D'après la conseillère, prévoir un budget moyen de 500 euros par mois pour environ 20 mètres carrés. Pour une centaine d'euros moins cher, il y a aussi les chambres indépendantes, avec cuisine et salle de bain à partager. Le bon plan, c'est aussi la chambre chez l'habitant, avec un budget compris entre 300 et 400 euros par mois en moyenne. Mais il y a également la colocation chez l'habitant. C'est le choix qu'a fait Olivier. Il y a 3 ans, ce Vendéen arrive à La Verrière pour faire ses études d'infirmier. Il regarde d'abord les appartements mais se rend compte que c'est trop cher. Il se tourne alors vers les chambres chez l'habitant via un site de mise en relation entre particuliers. Dès la première visite avec ses parents, c'est le coup de cœur. C'est chez l'habitant, mais au final c'est très indépendant, donc c'est comme un petit studio. Sauf qu'après, quelques contraintes chez l'habitant, on peut pas forcément... quand on est étudiant, on aime bien faire les fêtes, on peut pas forcément ramener trop de monde, il faut être respectueux... On n'est pas forcément chez nous, mais c'est indépendant. Pour 380 euros par mois, toutes charges comprises, Olivier dispose d'un studio entièrement meublé avec une entrée indépendante. Donc là, c'est la partie de la cuisine, donc qui est aussi indépendante, juste pour les étudiants. Donc on était deux à se partager la cuisine, donc très bien. Ils étaient deux, en effet, durant 3 ans à se partager cuisine et salle de bain. Les propriétaires à l'étage, eux au rez-de-chaussée, une sorte de colocation chez l'habitant. C'est devenu un de mes meilleurs amis, je ne le connaissais pas du tout quand je suis arrivé. Et puis on a super sympathisé pendant les 3 ans, ça reste une coloc, donc le soir on mangeait ensemble. L'avantage aussi, c'est qu'en cas de problème, les étudiants ne sont pas livrés à eux-mêmes. Moi en tout cas ici, je pouvais compter sur mes propriétaires. Là par exemple, mon ordinateur m'a lâché il y a une semaine, du coup j'ai pu utiliser leur ordinateur pour faire mes recherches d'emploi, etc. Donc ça c'est pratique. Maintenant qu'il a obtenu sa licence, Olivier rentre chez lui en Vendée à la recherche d'un travail et compte bien renouveler l'expérience de la colocation là-bas. Pour les propriétaires, l'heure est à la recherche de nouveaux locataires. Cela fait 6 ans qu'ils se sont lancés dans cette expérience lorsque leurs 2 enfants sont partis de chez eux. La maison était grande, quoi. Mmh. Et puis finalement, ces jeunes, je suis bien. Je suis bien. Là, je sais qu'il y a une présence en bas et puis c'est sympathique, finalement. C'est sympa parce que,
Ils ont besoin de quelque chose, ils montent là-haut. On part en vacances, ils me gardent la maison. Besoin de bricoler les mobilettes, des trucs comme ça. Enfin, c'est vrai. C'est la famille, quoi. Ils ne s'en cachent pas, cela leur permet aussi d'avoir un complément de revenus. Ils proposaient jusque-là deux studios, celui d'Olivier et un autre un peu plus petit à 365 €, toutes charges comprises. Dès la rentrée, ils proposeront en plus ce tout nouveau studio totalement indépendant pour 440 €, toutes charges comprises. Quelques conditions sont à respecter. On tient à voir les parents parce que, comme je vous dis, on laisse notre maison. Il y a le garage, ils vont dans le garage parce qu'ils se servent de la machine à laver. Je leur prête ma machine à laver, mon congélateur un petit peu. Donc, ils sont un peu comme chez eux, quoi, finalement. Donc, je veux avoir confiance quand, quand on part un peu. Comme tout étudiant non boursier, leurs locataires pouvaient bénéficier d'aides financières telles que l'aide personnalisée au logement versée par la caisse d'allocation familiale. Elle est variable selon le type de logement, la composition de la famille, la situation professionnelle ou encore les revenus personnels des deux dernières années. Pour les étudiants en alternance ou en contrat de professionnalisation, il y a aussi une autre aide appelée le Mobili Jeune. Ça peut être une aide supplémentaire, ça. C'est déduction faite de l'aide au logement qui est versée aux jeunes. Donc voilà, ça peut aller jusqu'à 100 € par mois, ce qui n'est pas négligeable. Pas négligeable non plus, l'avance LocaPass. Elle permet à tout étudiant ne pouvant pas financer son dépôt de garantie de bénéficier d'une avance gratuite. Ça peut faire lourd un jeune, lorsqu'il arrive dans un logement, de sortir et un mois de dépôt de garantie, plus le premier mois en cours, calculé au prorata bien sûr du nombre de jours qu'il va faire. Et voilà, ça peut être une somme assez lourde. Donc il y a le dispositif LocaPass qui peut l'aider, l'avance LocaPass. Donc ça veut dire que c'est pas le jeune qui va avancer cette somme-là, c'est le dispositif et c'est sous forme de prêt sans intérêt. Le jeune rembourse ensuite en petite mensualité le prêt qui lui avait été avancé, 20 € minimum par mois sur 36 mois maximum. D'après Lucille Guérin, il vaut mieux s'y prendre dès maintenant pour se loger à la rentrée. Depuis le début de l'année, le service Yvelines Information Jeunesse a accueilli plus de 500 jeunes.